Salut à tous! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un vlog préparation de voyage comme vous avez pu le lire dans les titres. C'est le type de vlog que j'aime trop regarder en fait. Donc je me suis dit en fait je vais en faire un parce que tout simplement je pars en vacances en fait. Et là je vais commencer à préparer mon voyage vraiment. Je vous dis pas la destination parce que je préfère que vous le découvriez sur Insta. D'ailleurs je vais vous mettre mon Instagram ici. N'hésitez pas à aller me suivre comme ça vous verrez où est-ce que je suis partie. Je vais faire le TikTok, je vais faire tout. Bref c'est parti! On est un nouveau jour. Aujourd'hui, je sais pas si je vous ai dit que j'avais acheté une nouvelle caméra aussi. Je vous l'ai pas dit, mais regardez la qualité s'il vous plaît. J'ai une nouvelle caméra de vlog, enfin, depuis que j'ai cassé l'ancienne. Je filme avec mon téléphone, mais du coup je filme avec une nouvelle caméra, je trouve quoi. Aujourd'hui on va faire les cils, j'ai fait les ongles comme vous avez pu voir juste avant. Et là je vais faire mes cils chez Mago, je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos etc. Là je vais faire vite parce que je crois que je suis en retard, donc on y va tout de suite. Hello. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'es content, je suis là. Tu vlogues? Ouais. Regarde-toi de l'autre côté si je tourne dans le bon sens là. Ah là. Si si c'est bon. Attends je serre. Attends je vais juste un petit peu. Alors volume russe. Ouais bah je fais confiance hein, c'est toi. La photo que je t'avais envoyée hein. Ouais c'était beau. Tu veux les mêmes longueurs et tout. Ouais même longueur. J'aime trop. Alors, est-ce que ça te choque? Pas du tout. Et carrément, je crois que je vais faire que ça maintenant. Je te jure. Ah, j'aime trop. J'ai le résultat. Attendez, je vous montre mieux. Comme d'habitude. Et là, en fait, elle m'a fait un volume russe. J'ai jamais fait de volume russe. C'était la première fois. Donc ouais, c'était la première fois que je faisais un volume russe. Et j'aime trop. C'est super beau. Voilà, je vous mets tous ces coordonnées. De toute façon, si c'est pas déjà fait, je vous les mets maintenant. Du coup, elle organise un concours pour faire gagner une presta cils et une presta ongles. Du coup, c'est avec une prothésiste ongulaire. Pour la Saint-Valentin, pour deux d'entre vous. Donc, je vous mets la publication ici. N'hésitez pas à aller participer. C'est bien pour la Saint-Valentin et tout. Vous voyez mon teint, comment il est fade? Vous allez voir à la fin des vacances comment il va pas être comme ça. En fait, parce que mes cernes, mes taches ici, est-ce que je vais être comme ça à la fin des vacances? Non. Donc ongles de fée, cils de fée. Donc voilà, prochaine étape, faire la valise. Vous montrer une commande Shein, spéciale vacances. Faire mes cheveux. Bref, on passe à la suite. Faut que je commence mon montage. Date d'édition. La date d'édition, ma belle. C'est ça, tu penses? Septembre 2021. Pour ne pas éliminer qui que ce soit chez nous. On se retrouve du coup pour faire la valise. Avant de faire ma valise, parce que je pars du coup après-demain. Je pars après-demain, ce qui fait que je fais ma valise maintenant parce que... Comme ça, c'est fait. Et parce que aussi demain, je me coiffe. Toute la journée, je vais me faire des braids, donc je serai trop occupée. Je vais prendre grave du temps, tout ça. Mais avant ça, petit haul Shein. Donc, ils m'ont envoyé des vêtements du coup pour les vacances. Du coup, pour commencer, j'ai pris ces sandales. C'est des sandales mignonnes. Elles sont super belles. Bien sûr, je mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, du coup, j'ai pris trois cyclistes. Je sais pas si je vais prendre les trois. Mais en tout cas, trop bien la matière. Incroyable. Vous savez, c'est la matière bien stretch, mais gainante à ce niveau-là et tout. C'est pas comme ceux de Primark. Je sais pas si je vous ai déjà parlé des cyclistes de Primark, mais les cyclistes de Primark. Incroyable. Bref, mais, et du coup, il leur ressemble. Et bien stretch et tout, gainant. J'aime trop. C'était un lot de 3 et il y avait blanc, noir et beige. J'ai pris des talons pointus. Trop belles. Vraiment, j'aime beaucoup. 38. Vous savez qu'ils m'ont envoyé toutes les chaussures en 38. Et les deux, j'ai pris du 37. Donc je comprends pas là en fait. Ok. Bon, pas grave. Ensuite, j'ai pris cette robe. Petite robe de soirée. Je vous mettrai la photo pour que vous compreniez, mais elle est comme ça. La matière, elle a l'air d'être vraiment bien. C'est assez épais, c'est pas tout fin, tout bizarre et tout. Bon, là, vous comprenez pas, mais je vais vous mettre la photo. Je vous laisse aller me suivre sur Insta. À
fait, si vous voulez me voir porter mes articles féminines, j'ai pris cet ensemble. C'est un short en mode jogging avec le haut qui fait un peu maillot de bain, mais c'est en matière jogging aussi. Ensuite, du coup, je trouve ça trop mignon. Donc voilà. J'ai pris ça, c'est un set en gros de trousse pour les voyages. C'est pour organiser mieux sa valise en fait. Donc c'est comme ça. La matière elle est pas ouf, hein, genre c'est super fin. Ça se voit un petit peu, non? Il y en a une, deux. En fait, c'est le même. Hein. C'est juste qu'il y a plusieurs tailles. C'est comme ça, mais il y a plusieurs tailles. Il y en a trois. Comme ça. Il y en a trois. C'est des trousses qu'on ouvre comme ça, là. Il y en a trois comme ça. Et il y en a une qui s'ouvre comme ça. Il y a un petit truc ici. On peut l'ouvrir au milieu. Bon, ok. Ensuite, j'ai pris un chapeau de paille. Qui a l'air pas mal du tout. Faut qu'il prenne une bonne forme et tout. On aime beaucoup en fait. J'aurais des braids, hein, je précise encore. Ah, j'aime bien. Ah oui, j'ai pris ce sac, mais je vais pas le prendre, je pense. Il est super mignon. En fait, je pense qu'il était plus noir que ça. Ensuite, j'ai pris ce maillot. Mais j'ai tellement de maillots, franchement, je... Sur le côté comme ça, avec le petit bas. On adore. On adore. Ça, c'est quoi? Une robe, pourquoi j'ai pas souvenir d'avoir pris ça? C'est une robe ouverte dans le dos comme ça. Et je vous jure, j'ai aucun souvenir que j'ai pris ça. Et ça marche tout le temps, hein. Je sais, hein. Je vais la prendre, mais je me souviens pas. La matière elle est bien, ça va. C'est pas super fin. Tout ça là, j'ai pas essayé. Hein. En vrai de vrai, je sais même pas si ça va m'aller. Comme ça. J'aime beaucoup. Ah oui, j'ai pris un ensemble, donc c'est un haut blanc. Il y a écrit positive dessus. Avec le bas qui va avec. La matière sweet, du coup. Enfin, short jogging, quoi. Très cute. C'est bientôt la Saint-Valentin. Donc je me suis dit quoi? Que j'allais prendre, vu que c'est, ils font des offres exprès faites pour la Saint-Valentin. Je me suis dit que j'allais prendre une petite nuisette. Quand même, histoire d'eux, parce que franchement, il y a plein d'offres pour la Saint-Valentin. Petite nuisette noire, c'est un petit dentelle et tout. J'ai aussi un autre body, en fait. Comme ça, il est string derrière. J'aime trop la couleur, le marron, il est trop beau. J'adore. Et pour finir, j'ai pris un maillot de bain bikini, du coup, rose. Tellement cute. Regardez, vous avez un petit papillon. Attendez, j'ai mal envers. Vous avez un petit papillon au milieu, là. Voilà. Sympa. Voilà. Maintenant, on va passer à la valise. Donc là, j'ai ma valise. J'aurais voulu que vous me voyez de loin, en grand et tout, là, avec ma valise. Attendez. Du coup, là, on me voit mieux. Je préfère comme ça, vous me voyez tout, en fait. Comme j'ai reçu... des trucs Shein. Donc du coup là-dedans, je me suis dit j'allais mettre tout ce qui est maillot de bain. Pour savoir que j'ai déjà commencé, j'ai fait ma petite valise. Mais je pense que je vais la modifier parce que j'ai reçu ça. Et je me dis j'ai envie de mettre genre mes maillots de bain, un truc comme ça. Je pense que là-dedans je vais mettre genre mes sous-vêtements, trucs comme ça, chaussettes, vous avez capté. Ici j'ai mis tous mes sacs, là j'ai mis tous mes maillots de bain. Donc là je suis en train de me dire que mes maillots de bain, je vais les enlever de là. Et je vais les mettre dans une trousse en fait. J'ai vite fait avancer, mais comme j'ai pas beaucoup de batterie, ma caméra elle s'est coupée. J'ai fait ma petite trousse de trucs électroniques, on va dire. J'ai pris du coup ma ring light, mon adaptateur, ma batterie externe, mon enceinte, ventilateur. Ça c'est les trucs pour mon trépied parce que je prends mon trépied. Ça c'est mon pied pour ma caméra de vlog, enfin ce que je tiens là. Ma caméra de vlog, ça c'est mon disque dur du coup pour mettre tous mes rushs de mon vlog. Dedans il y a aussi mes cartes mémoire. Ça c'est pour filmer dans l'eau. Et aussi prendre bah, du coup mon trépied et mon ordinateur qui est là, je regarde un truc donc il est par terre. Et voilà pour tout ce qui est électronique du coup. Tout ça va là-dedans. Alors je vous montre rapidement, j'ai avancé du coup, bon là j'avais déjà fait du coup, ça c'est la première valise, ici j'ai mis tous mes maillots de bain, ici j'ai mis tous mes sacs, c'est la petite valise cabine pour info, en dessous j'ai mis mon chapeau, bob, enfin voilà, en gros les trucs qui vont sur la tête, ici j'ai mis mes chaussures, donc mes deux paires de talons et mes sandales,
Donc ça c'est pour la valise cabine. Je vais rajouter ce que je vous ai montré juste avant. En gros ma trousse, il y a tous mes trucs électroniques. Je vais rajouter aussi mon ordinateur portable. J'ai un petit peu peur, mais j'ai pas le choix parce que j'ai pas de sac. Et pour la grosse valise de soute, ici j'ai mis tous les trucs de plage. À part ça c'est une combi, rien à voir, mais ça c'est mes trucs de plage. Ici mes pyjamas, j'ai mis encore des chaussures, mes sandales. Ici j'ai mis tout ce qui est vêtements de soirée. Et là j'ai mis tout ce qui est shorts, cycliste, haut, crop top. Du coup voilà, ce que je vais devoir rajouter, c'est tous mes produits. Hello, on se retrouve dans un nouveau jour. Hier, j'ai fait ma valise, vous avez vu. Du coup, là, on se retrouve pour s'épiler. Donc, je vais m'épiler toutes les jambes en entier. Le reste, c'est bon, c'est vraiment juste les jambes en fait. Donc, désolée pour ma gueule, je suis super KO. Je me suis munie de mon appareil pour épiler. Donc, c'est un appareil que j'ai acheté sur Amazon il y a super longtemps. Et vous avez plein de recharges comme ça. Et je prends des cotons et... de l'huile. Là j'ai de l'huile des pépins de raisin parce que c'est bon pour la peau. Mais je vous conseille de prendre de l'huile d'argan ou de l'huile d'amande douce. Enfin non, en fait une huile que vous voulez, pas de l'huile de ricin. Donc voilà, moi je prends de l'huile des pépins de raisin parce que c'est ce que j'ai. Mais argan, amande douce, je sais que c'est bien ça. Par contre, je vais vous dire, j'ai commandé sur Amazon des nouvelles bandes parce que j'en avais plus. Mais je sais pas lesquelles j'ai pris parce qu'elles sont super nulles. Je sais pas si ça va le faire là, mais en fait quand je m'épile les jambes avec les nouvelles, et ben ça reste accroché. Je vais voir si ça fait, je vais vous montrer. Bon là ça le fait pas. Ça sort très très bien, je sais pas si on voit. Je sais pas si vous voyez bien. Oh mon dieu. Ça me l'a fait, regardez. Vous voyez, c'est resté accroché. Je vous jure, je sais pas c'est lesquels que j'ai pris, mais n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Parce que franchement, je vais essayer de retrouver. Désolée Amazon. Mais je vais essayer de retrouver et je vous mets le lien pour pas que vous achetiez celle-là en fait. Je suis choquée, c'est de la merde. Bref, mis à part ça, c'est bien parti. Ça ne fait que me rappeler à quel point je tiens à elle. C'est dur de gérer tel sentiment. Voilà, c'est que je pensais pas que ça me briserait à ce point. Ok, je dois bien avouer que je ressens... Là, du coup, j'ai fini les deux jambes. Maintenant, je vais faire mes cuisses. Je sais pas s'il me reste assez de cire. Voilà, non, je savais. Donc, je vais mettre une nouvelle recharge, pardon. Et j'attends que ça chauffe parce que du coup, ça prend un peu de temps pour chauffer. J'ai enfin fini de faire mon épilation, donc je me suis épilée toutes les jambes, devant, derrière. Je ne vous ai pas montré derrière parce que c'est grave compliqué, je dois me lever et tout. Du coup voilà, j'ai fini, je vous laisse. Ce sera un vlog super court, mais en fait comme je vous montre exactement que ce que je fais pour mon départ de voyage, et ben je vais le rassembler et ça va être super court. Du coup voilà. Franchement j'aurais jamais cru filmer avec cette gueule un jour, dans ces conditions. Bref, je sais pas ce que je dis, je suis très faible. Il est 8h. Hier, j'ai fait mon shampoing. Hier soir, très tard. Je vais commencer à me coiffer. Et voilà. Vous voyez ma tête? Vous voyez tout ça, là? Eh ben, je serai une autre personne. Lundi. Lundi. À partir de lundi. À partir de demain, en fait, tout simplement. Je suis une nouvelle personne, je vous le dis. Vous allez le voir. Alors, du coup, j'ai préparé mes mèches ici sur mon lit, comme ça. J'ai mis le gros tas de mèches ici sur ma chaise. Et j'ai pris, du coup, 5 paquets en tout. J'espère que ça va me suffire parce qu'il faut savoir que mes mèches, je les coupe pas en deux. Parce que je les veux vraiment très, très, très longues. Et je veux pas qu'elles soient fines au bout, en fait. De toute façon, vous verrez à la fin le résultat. Vous comprendrez. Donc, voilà. Du coup, j'ai pris 5 paquets. J'espère que ça va me suffire. J'ai peur. Et sinon, lorsqu'on utilise de la cire, olive oil, c'est la meilleure. Sauf que, bon, je voulais pas celle... à l'huile d'amande, mais j'ai pas trouvé l'autre, donc tant pis. J'ai pris une huile parce que bah faut que j'hydrate mes cheveux comme ils sont encore un petit peu mouillés par rapport à la veille, et que la veille j'avais posé ça, c'est un conditionneur, j'avais mis ça, donc c'est parti.
J'ai enfin fini en fait. J'ai mes longues brèches, je suis trop contente. Bon, là, faut que je les mette dans l'eau, etc. Je suis KO, il est super tard. Je suis désolée, mais je vais vous laisser là. Et on se retrouve demain matin, quand je vais prendre mon avion. Je sais pas si je vous dis la destination dans cette vidéo. Bref, juste là. Mais je vous retrouve demain matin. Enfin, demain matin. Tout à l'heure, il sera 5h, 4h. Enfin, je dois être là-bas à 6h, donc bref.